Yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. J'ai une nouvelle casquette, une nouvelle journée. Vlog numéro 12, je crois, un truc comme ça. Autant vous dire que aujourd'hui c'est une grosse journée. Allez, c'est parti. Quelque part, 11h42, on va dire que je suis un petit peu en retard de 42 minutes. Bon, disons que je suis un petit peu encore, on va dire, dans le fuseau horaire d'été. Mais bon, ce qui compte, c'est que je suis ici, j'ai ramené mon matos, j'ai pas trop filmé du coup le voyage même si c'est du tout. Parce que c'était très très lourd, c'était très très chiant. Voilà, on s'en fout. Histoire de voir si ça fait un coup. Je croise les doigts. C'est une musique de vlog, ça? Enfin, c'est une musique de vlog en mode... Ah, attends, ça c'est chiant. C'est copyright ou pas? Non, c'est non, musique de blague. C'est musique de blague. Là, ouais. On est ici chez Guillaume pour. Parce qu'il va être, faire une vidéo en collab avec un youtubeur que je ne connaissais pas, Monsieur G. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui y passe. Et bah, moi, en fait, je suis là parce qu'après, on part au FNK. Donc, du coup, je vais admirer en tant que spectateur. Voilà. Ouais, je sais, hier soir, aujourd'hui, mais toi, c'est la faute de Guillaume. Hein? De quoi? Ah, le McDo, c'est chiant. Ouais, mais hier soir, c'était. On va dire que c'était. Pour le coup, c'était un événement. Et là, ouais. C'est moins d'événements aujourd'hui, c'est de l'abus. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, je vous ai dit comme quoi j'allais être spectateur. Au final, non. Moi aussi, j'y passe. Ouais. J'y passe. Ouais, allez. Bon, si vous demandez pourquoi j'ai ça, en fait, faut que je suis un petit peu essoufflé parce qu'en fait, c'est gros, c'est avant parti en couille. J'avais un petit défi à faire avec Monsieur G. Et bah, c'est parti en couille. Voilà. Bah, je vous mets la vidéo juste ici ou non, en fait, c'est. Ouais, c'est là. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, je me suis déguisé en un truc un petit peu chelou pour Noël. C'est, enfin, vous avez peut-être une idée, mais c'était pas le rendu escompté. Voilà, ce que je peux vous dire. Mais c'est en fait tout à l'heure, je vous ai pas montré qui était Monsieur G, donc bon. Moi, regardez. Voilà, enchanté. Ça, c'est le G de Guillaume avec Monsieur G. Voilà. Bref, je te remercie. Ciao, merci à toi. C'était un plaisir. Donc en fait oui, j'ai mal calculé, la vidéo sortira le 19, lundi 19, et vu que le vlog sortira avant, je mets une petite annotation, et si vous voyez le vlog, bah du coup le lundi, il sera ici, sinon ce sera relié sur les réseaux le lundi, ne faites pas, voilà. Mais il est chiant, hein. T'as un plan pour ouvrir le coffre de la voiture. Ouais, c'est un plan de coupe, t'es jaloux un plan de coupe. Ah, mais ouais. Non, bah non, j'en ai fait juste un avant, j'étais filmé de dos, ah. Et ouais, ça va, je viens de voir Skype là. L'agence est inondée. Ils sont pleins d'eau. Dès que j'ai rien compris. Ah, d'accord, ok, bordel, putain. J'ai... Ah non, surtout le Black Friday et tout repart. Ah, bah cool. Y a tout qui part. Y a combien... Là, il y a 7 colis qui partent. C'est ici le FNK, ouais. C'est l'ancienne gare, de Lyon qui a été reconvertie en boîte et en resto. Bref. Voilà, le cas c'est ici. C'est comme je le dis, c'est l'une des boîtes les plus huppées, on va dire, de Lyon, l'une des plus grosses, l'une des plus, on va dire, select.
Je peux vous dire que je me suis fait refouler quelques fois sur ces mêmes marches ici quand j'étais jeune. Hein, je me suis fait refouler 2-3 fois étant plus jeune. Et maintenant je vais travailler avec eux, enfin pour eux, avec Guillaume. Donc c'est, c'est plutôt drôle. Salut, tu te souviens de moi? Tu m'as dégagé il y a 3 ans. On est arrivé au first, le FNK, maintenant c'est le deuxième nom, c'est le FNK. Et en fait ici je suis dans une télécabine. Télécabine qui était mis là pour chaque année, enfin, chaque ouais. Chaque hiver. Et mais ça c'est voilà, c'est ici c'est un endroit où bah, tous les gens sont ici en soirée, donc genre les colisés sont ici et ça les fait kiffer avec cette petite télécabine et c'est là où il y a des gens qui chopent. Ça c'est le restant de la soirée d'hier. Ouais, j'en suis sûr. Et ça prend moins de place. Ce qui est drôle, c'est que ici, c'est vraiment pour le coup, c'est l'endroit où je me suis mis, on va dire, avec mes potes, pas mal de soirées. Genre ici, tout en blindé en soir. Et ouais, un peu alcoolisé. Maintenant, là, je suis ici en train de monter mes éclairages de ma baraque, ici, au milieu. Donc c'est vrai que ça change de contexte, c'est pas pareil. Ici du coup on est dans la grande salle qui office du coup bah, de restaurant et de boîte de nuit. Regardez avec le rail. Hop. Voilà, on met en avant le côté un petit peu du veau, tout ça, le beau cœur de veau comme ça qui fait office on va dire d'endroit propre, classe, voilà. On est toujours là, c'est trop les petits trucs qui font que c'est propre, c'est joli, c'est soyeux, c'est sympa, c'est comment vous dire, voilà, c'est trouver les endroits, je sais pas, créer des trucs, voilà, créer des trucs, créer une ambiance, c'est ça le truc. C'était un plan, c'est un petit plan sympa qu'on a fait en regardez. Montrer ici si on peut vous montrer. Ça ressemble. Comme si on rentrait dans la boîte en fait. Oh, ça rend bien. Ok les gars, donc du coup, écoutez là on est bien placé, on est bien là, on a bien fait tout ce qu'on voulait, la nuit est tombée, en fait il nous faut un cadre de nuit pour pouvoir bah, prendre toutes les illuminations, vous voyez, bah, ça commence à s'illuminer un petit peu partout, ça devient vraiment, enfin c'est la vraie lumière qu'on connaît du FNK le soir, donc du coup on attendait un petit peu, on a fait des plans super sympas comme vous avez pu voir, et là bah, maintenant, bah, écoutez maintenant c'est tout simplement le moment propice pour faire tous les plans, donc on va rusher ça et après moi il faut que je quitte. Je rentre à la maison, que je ramène tout le matos, parce que c'est après, j'ai encore une soirée avec Manon, un petit truc de prévu qui a l'air assez cool. Donc je l'emmène avec moi, un petit timelapse, pas un timelapse, c'est une petite vidéo, un petit plan sympa. Et ensuite, je sais pas. Putain! Bon! Fini, enfin fini, pas encore vraiment fini parce que tout cet endroit n'était pas ouvert et on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Pas demain, mais après-demain du coup vendredi, en fait, de base, on devait tous ensemble entre potes se faire une soirée dans cette même boîte. Aller en boîte du coup, hein, profiter. Sauf que avec Guillaume, on va faire un before du before dans la boîte. En gros, bah, on va reprendre les plans qu'on n'a pas pu filmer. Donc du coup, on va avant que la soirée commence, on va filmer. Et ensuite, bah, tout le monde, tout le groupe de potes vont nous rejoindre. Nous, on va faire encore quelques plans pendant la soirée même, au milieu de la soirée. Et ensuite, on pourra profiter un peu de la soirée. C'est pas fini, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était une grosse journée. Et encore, c'est pas fini parce que je rentre à la maison, je pose des affaires et on repart avec Manon. Un plan du tour, ça va. Donc, tiens, encore pour... Faudra après-demain. Ça marche. Allez, tiens, prends juste ton appareil photo. Hop. Bon oui, excusez-moi, donc du coup j'ai pas filmé depuis un petit bout de temps. On se retrouve dans un magasin pour une avant-première, ça s'appelle Sensi. Et c'est un magasin du coup bah
du club de golf. Ça fait quand même pas mal de temps que je cherchais une petite paire de lunettes à me foutre sur le nez, genre simplement pour un petit style, tu vois. Je trouve ça pas dégueu. Ça, c'est un petit peu Jean-Pierre Coff, on va dire, hein, mais il y en a pas mal. Il y en a même beaucoup. Ça va repartir avec. Enfin, j'ai peine. Sensi. Et c'est un magasin qui se veut, on va dire, des paires de lunettes pas chères, avec un standing assez haut. Et bah, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment tout sympa. Manon qui était invité pour traiter invité. Elle m'a dit, voilà, c'est full blogueur, j'en connais pas un seul. Je suis le seul youtubeur, je suis le seul youtubeur avec une caméra, c'est juste là sur un photo. Bon, normal, hein, c'est le bug. Mais voilà, je suis le seul avec une caméra. Voilà, voilà. On va bouffer le petit coup, on va profiter, on va essayer les lunettes. Les gars, s'il y a bien une paire de lunettes qui ne va pas du tout dans le monde entier, hein, c'est ça. Non. Ah, terrible. C'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, mais une demi-facile. Ah, mais ça fait très très mouche là pour le coup. Bon les gars, là je suis en essayage de lunettes. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Non. Fais la gueule. Je suis infâme. Je suis infâme. Infâme. Salut. C'est une petite fille. Comment ça va? Bon, ça à la limite, ça peut passer. Sauf que j'ai une sale gueule. Donc bon, bref. Salut, je suis Pascal OP. Ceux qui connaîtront Pascal OP. Tu connais Pascal OP? Non. Tu connais pas? Bah tant mieux alors.